Koh-Lanta, la légende est pleine de rebondissements et de désillusions. Mardi 21 septembre 2021. Laurent Mestret a tenté de convaincre Alexandra et Alix de voter contre Clémentine. Si le candidat a finalement choisi de se retourner contre Jade, soutenue par Alix. Alexandra a décidé d'éliminer Clémentine. Résultat, cette dernière a rejoint l'île des Bannis. Les langues se sont déliées, dans un climat particulièrement tendu. Je me suis rendu compte que la stratégie des filles, ça ne me correspondait pas. Au début sur le papier, ça avait l'air sympa. Mais pour moi, une femme forte, c'est quelqu'un qui se bat sur les épreuves et qui prouve qu'elle peut être au niveau d'un homme, a déclaré Alexandra. De son côté, Jade a fait part de sa déception envers Alix, là j'ai pris un coup. T'es une girouette. Au moins Alexandra, elle a assumé. Mais les personnes avec ce manque de fiabilité. Je n'arrive pas à le comprendre, j'ai compris qui tu étais. Je l'ai vu avec Cindy, je l'ai vu maintenant. Ambiance. Clémentina, elle aussi, tenue à s'exprimer à la suite de l'épisode du jeu télévisé présenté par Denis Brognard. Sur Instagram, l'aventurière a publié un long message ce mercredi 22 septembre. L'occasion d'exprimer sa colère envers Alix et Alexandra, « Je suis bête ou quoi, je me suis fait berner ?» C'est ainsi, a-t-elle écrit en début de texte, avant de poursuivre, « Je ne l'ai pas vu venir car si encore Alix et Alexandra avaient été en danger. Peut-être que je me serais méfiée d'un rapprochement quelconque avec les gars. Mais là, moi j'étais persuadée du 4-4, je n'ai rien vu et je n'ai rien compris. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas l'intérêt stratégique, l'avenir nous le dira ou pas. » Clémentine a ajouté, « Oui, je croyais à l'alliance fille, pour moi c'était une façon de nous en sortir face à des amitiés déjà bien existantes entre certaines personnes. Donc j'étais à fond avec la team Nana, même si elle était la plus voyante de l'univers. » Elle a tenu un épisode, il vaut mieux en rire. Bien sûr que j'ai la rage, la mort. Les nerfs, tout ce que vous voulez à ce moment-là, mais j'ai la deuxième chance et je vais aller vider mon sac auprès d'Hugo et Maxime sur l'île des poulpes bannies. Ou l'île du Séum. Un discours teinté d'humour, malgré l'amertume. Découvrez la publication de Clémentine ici.